tromper de côté. Je préférerais à droite. Ah, la marche fait 60-70. Il faut d'abord poser la roue avant sur un autre caillou un peu plus loin. Sinon on touche. Et le virage relevé, c'est l'entrée de ce chemin, hein, c'est le départ. Là, un petit chemin qui passe au milieu des tombes. Les tombes, elles sont là, taillées dans les cailloux, là, devant. Là. Vous voyez les trous, là? Des petites, des moyennes, des grandes. Il y en a de partout ici. Il y en a quelques-unes qui ont encore le couvercle dessus. Avec des poteries, j'ai trouvé des poteries moi. Ben, des poteries pas entières, hein, des petits bouts cassés. Voilà. De partout il y en a. Et le petit chemin. Il se roule un peu sur. Plus on le prend vite et moins il se coupe. Le chemin, j'ai descendu tout à l'heure, là en bas, il y avait le puits. Et ici, on va arriver à une magnifique vue sur l'étang de Sissi. Il y a même un banc, un arbre. L'étang est là. Par contre, j'ai remarqué qu'avec la caméra, que je vois bien moi, on le voit pas forcément bien avec la caméra. Là, une méga falaise. Tout à l'heure, je suis passé en bas. Vous avez des vidéos du bas. L'étang. Le Ventoux, droit devant. Avec trois nuages dessus. Istres, la ville qui est là-bas derrière. Et là, il y a un joli chemin qui descend. J'ai pris une fois celui-là. Allez, on le devine sûrement là-bas au fond.